Ok. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Karine Oubissi. Et tu as quel âge? J'ai 17 ans. Et où est-ce que tu habites? J'habite l'Omnisport. Et dans quelle ville? Yaoundé. À Yaoundé. Et tu as quel âge? J'ai 17 ans. Est-ce que tu es toujours à l'école? Non, je ne suis plus à l'école. Quand est-ce que tu as quitté l'école? Ça fait 2 ans aujourd'hui. Ça fait 2 ans. Et est-ce que tu travailles? Oui, je travaille. Et quelle est ta profession? Je suis coiffeuse. Tu es coiffeuse. Et où est-ce que tu travailles? Je travaille à 5 mètres de ma maison. Alors, c'est-à-dire tu travailles dans une boutique ou est-ce que tu travailles à la rue? Non, je travaille dans une rue. Dans une rue, très bien. Alors, c'est-à-dire que tu fais partie de le commerce informel. Oui. Alors, très bien. Alors, combien d'heures est-ce que tu travailles par jour? À quelle heure est-ce que tu commences? À quelle heure est-ce que tu finis? Je commence à 9h et je rentre à 18h. À 18h. Mm. Et si ce n'est pas une question indiscrète, combien d'argent est-ce que tu touches tous les jours? Pour le moment, je suis encore apprenti, j'apprends encore le métier, donc je ne touche pas encore l'argent pour le moment. D'accord. Et combien de temps est-ce que ton apprentissage va durer? Ça dure 3 ans. 3 ans. Alors, il y a beaucoup de personnes où tu travailles, c'est-à-dire dans le personnel? Nous sommes 7 plus la patronne, ça fait 8. Et les autres sont apprentis ou en différents endroits dans leur apprentissage? Il y a 5 apprentis et le reste, ce sont les coiffeuses même, qui ont un salaire par mois. D'accord. Et tu sais quel est leur salaire par mois? Oui, ils touchent 20 000 par mois. 20 000 par mois, très bien. Alors, quand tu rentres du travail, qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Dès que je rentre du travail, comme nous sommes en famille, je m'en vais devant la télévision et puis je me mets à visionner avec ma famille et puis on dialogue, on se dit de tout et de rien et on fait des blagues. D'accord. Alors, on voit les séries. Bien, on s'amuse quoi. Oui. Bien. Alors, tu dis que tu habites en famille. Tu viens d'une famille nombreuse? Si. Alors, combien de personnes sont dans ta famille? Dans ma famille, à la maison. Ou bien... À la maison, oui. À la maison, nous sommes 5 personnes. Ma belle-sœur et mon cousin, ma mère et moi, et puis l'une de mes nièces. D'accord. Alors, en la famille, combien de frères et de sœurs est-ce que tu as? J'ai deux. Deux frères ou deux sœurs ou... J'ai un frère et une sœur. Et ils ont quel âge? Mon frère a 20 ans et ma sœur a 15 ans. À 15 ans. Alors, tu as un frère aîné et une sœur cadette. Et est-ce que ta sœur cadette est toujours à l'école? Si, elle est à l'école. Elle fait le BPC cette année. Très bien. Et en quelle matière ou c'est un examen général? C'est un examen général. D'accord. Les piles sont faibles, ça signale déjà. Ça ne tourne plus là? Si, ça tourne, mais bientôt ça va s'arrêter. Ok. Alors, si tu as quelque chose à dire aux jeunes Américains, qu'est-ce que tu leur diras? Je dirais merci aux jeunes Américains. C'est vrai qu'au début, quand vous m'avez donné la fiche la fiche pour remplir, j'ai un peu douté parce que je ne savais pas à quoi ça servait. Et je suis venue, j'ai rempli, je suis venue de mettre la fiche et je me suis renseignée sur ma soeur. Si elle m'a dit que je vais revenir, vous allez me dire ce qu'il faut faire. Et en fait, elle m'a dit que vous faites ça un peu de partout. C'est juste, vous posez juste des questions et c'est où je suis donc revenu ce matin pour vous remercier la fiche et je vous dis merci, merci pour cette rencontre, vraiment merci, je vous dis vraiment merci pour cela parce que j'ai compris que c'est vraiment, il n'y a rien de nouvel là. Non. Parce qu'au début, j'ai un peu douté. J'ai un peu douté par rapport à ça. Et puis, j'ai rencontré ma soeur. Elle m'a dit que non, c'est comme ça que vous faites un peu de partout. Et je lui ai dit que vous m'avez dit que vous êtes professeur aux États-Unis. Et
C'est un peu ça. Oui. Je suis donc revenue ce matin vous mettre l'affiche parce que je suis venue ici une fois, vous n'étiez pas là. Oui. Moi, je vous ai sorti. Je suis donc revenue ce matin. Et je te remercie pour l'interview parce que ça va faire connaître une Camerounaise aux élèves américains. Alors, merci beaucoup pour l'interview. Merci, madame. Bon courage et bonne continuation. Au revoir. Mais à toi. Au revoir. Au revoir. Ça tourne toujours? Oui. Ok, alors arrête. Oui.